Je crois que le but, c'est surtout de réunir, on va dire, les fans et les joueurs dans une ambiance plutôt décontractée, parce qu'il n'y a pas de pression de résultat. Nous, les joueurs, on essaie de faire le plus de spectacles possible, chose qui est peut-être plus délicate sur des matchs officiels. Et puis surtout, on essaye vraiment d'aller vers le public, de communier avec, de rester un petit peu pour échanger à la fin, pour les autographes, les photos. Voilà, c'est une ambiance quand même beaucoup plus détendue et puis surtout c'est l'occasion de voir tous les meilleurs joueurs du championnat évoluer ensemble, alors qu'ils évoluent pas forcément dans les mêmes clubs. Ce qui est surtout sympa, c'est de pouvoir un petit peu jouer avec la musique, l'ambiance des gens et tout ça. Ça c'est vraiment le côté spectacle qu'on n'a pas d'habitude. Donc je trouve ça très sympa et quand on a un peu de chance en plus, ça permet de fêter le titre ou la médaille de l'équipe de France qu'elle vient de remporter quelques jours avant, quoi. Quand j'étais gamin, je rêvais de jouer avec ces joueurs-là et j'ai pas eu la chance de jouer avec tous. Donc là, ça m'a permis l'année dernière de jouer avec Pascal Mahé, des joueurs comme ça qui malheureusement étaient déjà partis avant que j'arrive en équipe de France. Donc là c'était chouette et puis surtout je me sentais jeune sur le terrain parce que du coup j'allais beaucoup plus vite.